Bonjour à tous et à toutes. Direction le lac Amance ou le lac de Dierville. Son vrai nom, c'est le lac Amance. Donc la température exceptionnellement douce, puisqu'on est mi-février. Les nuits sont froides, mais les journées sont très, très douces. L'autonomie remonte. Alors, ce qui est spectaculaire, quand les nuits sont froides et les journées, la journée très douce comme ça, la batterie ne perd pas en autonomie. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs dizaines de kilomètres réellement et avoir une autonomie qui baisse très peu, de quelques kilomètres seulement. C'est encore une autre façon de calculer, enfin, de voir un peu l'autonomie. Ce qu'il est possible de faire, c'est une autre approche de la voiture, hein, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve sur le thermique. Donc la batterie monte en température tranquillement. Comme c'est une grosse masse quand même, bon, il faut du temps, hein, il faut plusieurs heures. Donc là, on arrive sur le parking au plus près du lac Amance. Il y a plusieurs parkings. Alors là, la douceur qu'il y a, il y a du monde. Ouh, je n'ai vu autant de monde à mon théorie. Ah, il a bien coincé avec son... avec ses vélos. Mais il tant que ça ne touche pas, ça passe. Largement. Même. Voilà. Donc en face, à la belle saison, il va y avoir les bateaux à moteur, les gros, hein, la plupart du temps. Les bateaux sont mis à l'eau, les voitures sont parquées là avec leurs remorques. La borne de recharge, enfin les bornes de recharge sont placées ici. Voilà. Fonctionnelle. Une petite pause.